Voilà, je m'appelle Tariq Oubrou, je suis imam et recteur de la mosquée de Bordeaux. Donc je suis dans une fonction religieuse, mais je ne suis pas réduit uniquement à cette fonction, puisque de par mon itinéraire, j'avais une formation scientifique, donc à l'origine. Et donc j'ai découvert l'univers de l'islam en tant que religion, en tant que théologie, en tant qu'expérience spirituelle à l'âge du 19 ans. C'était un moment de transition irrationnelle, dans la mesure où je n'étais pas préparé à recevoir ce sentiment de sacré qui vous habite d'un coup. Donc c'est comme une révélation, en quelque sorte, inattendue, et donc qui vous bouleverse totalement. Donc vous ne comprenez rien du tout à ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit. C'est une lumière éblouissante qui vous perturbe. Et c'est un moment inaugural dans mon expérience un petit peu mystique et rationnelle également, parce qu'après, j'ai rationalisé cette expérience intérieure par l'approche théologique, discursive, par le fiqh, par la culture, etc. Et donc, depuis ce temps, j'ai évolué intellectuellement, j'ai évolué dans une société laïque, française, et qui était un déterminant dans ma façon d'approcher ma spiritualité, d'appréhender le monde, d'interpréter les textes, puisque la réalité fait partie de la religiosité, fait partie de la pensée. La pensée est éminemment historique, donc évolutive. Et donc voilà, je m'inscris dans cet existentialisme islamique, c'est-à-dire qu'il part d'un ensemble de convictions mais qui se négocie en fonction de l'évolution personnelle, mais également de l'évolution sociétale et mondiale, scientifique, économique, sociétale de notre humanité. Vous savez, l'imam idéal, c'est comme Razali, c'est comme Razi, de grands théologiens, de grands éthiciens, de grands philosophes, de grands encyclopédistes qui maîtrisaient relativement le savoir de leur époque. Donc, un savant musulman, si on veut user, si on peut user de ce terme, c'est quelqu'un qui est doublement situé. Il est situé dans les classiques, mais également il est situé dans les connaissances des sciences exactes, des sciences humaines, de la philosophie contemporaine. On ne peut pas aujourd'hui faire la théologie musulmane sans approcher Heidegger, Kant, Leibniz, etc. On ne peut pas penser la théologie musulmane, c'est-à-dire un discours sur le divin, sur l'homme, sur la femme, sur la société, la liberté, la soumission, le déterminisme, l'indéterminisme, la mort, la vie, sans introduire les connaissances philosophiques et scientifiques et technologiques de notre époque. Vous savez, l'islam de France, il est entre deux variables et une constante. La constante, ce sont les textes références qui fondent cette religion en termes théologiques, canoniques, éthiques, spirituels. Et deux variables, la variable culturelle des pays d'origine, puisque toute culture évolue, change, et la variable sociétale française qui elle-même évolue dans une mondialisation elle-même en train d'évoluer. Et donc c'est dans cette inertie historique, c'est dans cet élan, cette cinétique sociétale qu'évolue cet islam. Malheureusement, cet islam est dominé par la sociologie et pas par la théologie, par l'herméneutique, par la pensée profonde. Et donc c'est un islam subi et non un islam pensé. Et donc on est presque dans un déterminisme sociologique et qui reproduit un certain nombre d'aberrations au lieu de se démarquer par rapport à un certain nombre d'aspects qui relèvent de l'identitaire et pas du spirituel. Il faut que la pensée islamique reprenne sa place entière dans ce dispositif de construction de la religiosité de l'islam en Occident. Sinon, on irait dans une voie sans issue. Parce que si on se contente uniquement de réaction par rapport à la société, par rapport au racisme, par rapport à l'islamophobie, on se contente d'une pensée de réaction au lieu d'élaborer une pensée sereine, profonde, qui regarde avec lucidité le monde. On a besoin d'une théologie de la réalité. Il ne faut pas se tromper de réalité, parce que la connaissance de la réalité fait partie de l'herméneutique
des textes. On ne peut pas comprendre le texte si on ne le met pas en adéquation avec la réalité. Il y a cette double herméneutique caractéristique, l'interprétation du texte et l'interprétation du contexte. Et donc il faut cette double herméneutique pour pouvoir produire quelque chose d'harmonieux. Et pas en termes de conflit, de rapport de force, parce que l'islam, c'est une religion qui doit garantir l'avantage de toute l'humanité, y compris les non-musulmans. Il faut pour cette communauté des élites qui sont bien formées, éthiquement et intellectuellement. Et il faut qu'une frange de cette communauté tire cette communauté vers le haut. Nous avons la chance d'être en Occident, au cœur de la modernité, dans une proximité intellectuelle et physique. Nous palpons la modernité, la post-modernité désormais, et j'ai l'impression que nous vivons à notre âge dans d'autres mondes qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre monde actuel. Il y a une pensée anachronique qui ne répond pas à la réalité actuelle. J'ai l'impression que les musulmans pensent le progrès dans le retour vers un passé imaginé, imaginaire. On a l'impression, j'ai en tout cas l'impression que nous conduisons une voiture dont le rétro est plus grand que le pare-brise. Donc nous avançons dans le sens du retour et on a un problème avec l'histoire et le temps. Nous pensons que le passé est devant nous alors que le passé ne revient jamais. Et donc il y a une confusion bien sûr dans l'esprit de beaucoup de musulmans, c'est que ils veulent une religion à leur service en quelque sorte. Il n'y a pas cette culture de l'effort, de la remise en cause, de cette critique qui fait le progrès moral, spirituel, intellectuel du musulman. J'ai l'impression que nous sommes assignés à consommer tout, sans modération, et on a du mal à faire l'effort de produire quelque chose. Je crois que chaque musulman est un être singulier, à l'image de Dieu, unique. On n'a pas à standardiser tous les musulmans, mais donner des références, des règles ambivalentes pour que chaque musulman négocie cette règle avec sa situation. Et ne pas venir avec un discours arrêté, puisque nous sommes dans un monde où les choses évoluent vite et on n'a pas le droit de donner des règles fixes à des gens qui vivent dans un monde qui bouge. Donc il faut cette approche de la relativité d'Einstein appliquée à la charia, c'est-à-dire leur donner des normes qui se déplacent avec leur déplacement dans la société, dans le monde. Voilà, des principes, mais également des principes capables, dans leur forme, de se négocier avec le niveau intellectuel de chacun, avec sa vie, avec son travail, avec la société dans laquelle il vit, etc. etc. Donc, donner des éclairages, une pédagogie, mais responsabiliser surtout les musulmans afin qu'ils s'assument en tant que sujet autonome, et d'être des califes de Dieu, des imams qui conduisent leur vie par leur esprit, leur intelligence.